Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. Donc un édito, un édito pour une news qui est sortie hier. Ouais. Ah, Donc. c'était une rafale en plus. Enfin, une news confirmée, on va parler de la suite quand même. Oui. Donc, Voilà, c'est ça. Alors du coup, la news, c'est le retour du coup d'Alfred Molina dans la franchise de Spider-Man, on va dire. ouais, Voilà, c'est ça. donc on va l'avoir dans le troisième film Spider-Man du MCU. Ouais. Voilà. Donc, passer du Raimiverse au MCU. Exactement. Donc bon, via le multiverse, C'est du évidemment. multivers de Doctor Strange, tout Voilà, ça. on se doute bien que c'est ça. C'est ça. Donc voilà, la news est sortie hier, Ouais. confirmée par Hollywood Reporter. Donc C'est ça. forcément, quand c'est Hollywood Reporter qui le dit, tu te dis qu'on sait qu'à Oui, bah voilà. 99%, il y a 99% de chances que ce soit vrai. Hollywood Reporter ou Variety, tu vois, le genre de truc comme ça, si c'est dit, c'est dit. Voilà, c'est des sources. C'est des sources sûres, Ce sont des sources sûres, c'est des c'est vrais trucs. validé, quoi. Voilà. Bon, puis comme tu disais, il y a aussi des rumeurs venant de Collider, comme quoi il y a d'autres acteurs qui vont arriver. Ouais, donc les plus. Enfin, ceux qui sont sur le point d'être sûrs, apparemment. Ça serait le retour d'Andrew Garfield, C'est ça. en Spider-Man Peter Parker. Kirsten Dunst, dans le rôle de Mary Jane. Et Emma Stone, dans le rôle de Gwen Stacy. Et Voilà. Tobey Maguire serait encore en discussion, apparemment. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Moi je dis c'est un what the fuck total. Parce que déjà je m'attendais pas à Alfred Molina déjà. Quand on parle. Parce que là on commence à se dire depuis quelques temps que oui, ce truc du Spider-Verse ça se confirme. Donc quand j'ai vu Alfred Molina, c'est un des derniers auxquels je m'attendais à voir venir. Parce que bon, dans la saga Sam Raimi il est mort. Il y a d'une. Et Tous les ennemis sont morts, de toute façon. ouais, c'est ça, c'est ça. À part l'homme sable. Qui est parti C'est vrai. dans le vent. Tu vois. Mais ouais, donc je me suis dit, Alfred Molina, c'était une bonne surprise, parce que je me suis dit, bon, ouais, que je m'attendais pas, quoi. Après, le reste, bon, Andrew Garfield, bon, là, ça m'étonne fortement. Tu vois. Là, je me suis dit, bon, Andrew Garfield, quoi. Bon, on n'a pas encore la confirmation On n'a pas la 100%, mais confirmation, mais voilà, bon, bon. au point où les gens ils disent des trucs comme ça, Mais bon, ça peut se produire. Ça Ça peut peut se se produire, donc produire, autant en ça peut se parler. produire, et je sens que ça va se produire, parce qu'il y a encore 2-3 jours, c'était le Twitter de Sony Brésil, mettait genre une sorte de teaser promo avec les trois Spider-Man, genre lequel est votre préféré, et puis dans une sorte de truc, en disant oui, tout peut se passer dans le multivers, vous les reverrez peut-être, bon, enfin, bref, ça se confirme ce truc. Donc Andrew Garfield qui revient. C'est intéressant. C'est intéressant. Après Kirsten Dunst. Bon, c'est vrai que je suis pas le plus grand fan de son personnage dans la trilogie de Raimi. Je trouve que c'est le personnage le plus insipide, éclataxe, flingué au sol, nul à chier. Donc la voir revenir, ça m'intéresse pas du tout. Surtout que bon, Kirsten Dunst est bien gentille, mais c'était quand même la meuf à l'époque qui disait, c'est à l'époque du reboot de Mark Webb. Il disait, ouais, mais pourquoi faire d'autres films Spider-Man? On a déjà fait les meilleurs films C'est traire Spider-Man. la franchise. C'est ça, c'est trahir la franchise. Gna 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 gna. Ouais, bah tiens, 10 ans plus tard, t'es où là? À moins de 10 ans, du coup. Ouais, moins de 10 ans même. Tiens. La roue tourne, a tourné, tu vois. Ouais. Comme dirait Frankie Ribéry. Mais Autant attendre. Excuse-moi, il a dit la roue tourne. La roue tourne. Ah, excuse-moi, tu vois, il aime bien, mais bon, voilà, le français, lui, ça fait 40, mais voilà. Mais ça reste un bon gars. Mais ouais, donc, et puis Emma Stone, je sais pas, si elle revient, je sais pas si ça sera en Gwen Stacy ou en Spider-Gwen. Je sais pas du tout. Voilà. Mais bon, vas-y, on va tout dire. Je m'en fous. Non, voilà. 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 Non, mais moi, j'essaye de meubler. J'essaye de meubler parce que je me suis dit, si je dis rien, si je dis rien, voilà. Si je dis rien, ça va être vachement court. En fait, quand j'ai vu la news d'Alfred Molina, du coup, que j'ai vu tout le monde confirmer, il est de retour et tout, déjà, comme tu as dit, on se doutait que c'était possible ce genre de truc parce qu'on en parlait depuis quelques Bah, temps. déjà avec le retour de Jamie Foxx en électro, déjà.
Voilà. On a commencé à se poser des questions. Pourquoi on prenait pas un autre acteur? La porte était ouverte, là, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que tout le monde a commencé à se dire... Enfin, la porte était ouverte à partir du moment où il y a eu on a dit Doctor Strange dans Spider-Man 3. Oui. On sort dans un film, enfin, il est dans un film multiverse, oui. Déjà dans son côté. Voilà, après, exactement. Tu mets Spider-Man avec, donc du coup, quand j'ai vu Alfred Molina, j'ai dit, ah, je suis passé à autre chose. J'avais même oublié de t'en parler, c'est toi qui m'as envoyé un message après pour dire, il faut qu'on fasse une... Oui, non, mais je savais, parce que plus ça avançait, plus il me disait, vu qu'il dit rien, qu'il fasse pas genre qu'il a rien vu, il va falloir en parler. Voilà, donc du coup, Prince m'a envoyé un message, et puis j'ai dit, oh, bah oui, il va falloir qu'on fasse un édito. Oui, mais de toute façon, je savais que les gens attendaient notre avis dessus. Ah bah oui, mais là, vous avez déçu. Vu à quel point on a été virulent dessus, bon, moi, après, je commençais à m'habituer au truc, j'étais sur le point d'accepter le truc il y a quelques temps. Là, bon. Tu vois, quand on avait fait la vidéo, la dernière fois, on en a parlé, je me suis dit, bon, allez, je le sens, ça nous pend au nez, le truc, il va nous tomber dans la gueule, là, c'est bon, il va falloir accepter le truc. Ah bah, de toute façon, il est accepté. Hein. Non, mais bah là, maintenant, ça se confirme. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas à l'accepter ou pas à l'accepter, voilà, ça se fait. Voilà. Donc, bah oui, bah ok. C'est vraiment désolé, hein, mais j'ai rien d'autre à il vous dire. Il pas meublé, le salaud. Oh, pour dire quoi? Ouais, je suis désolé, c'est bon, bah ok. Mais je m'en fous. Mais... disons que, après, bah, ce que je souhaite, parce que évidemment, tous les gens qui vous le voulaient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient, oui. Qui voulaient ce truc-là, tant mieux pour vous. Mm. Voilà, encore une fois, tant mieux pour vous. Ça me fait penser à la Snyder Cut, tu vois. Tant mieux pour vous. Ah bah, c'est les deux trucs les plus fanservice de ces deux dernières années, là. Ça, c'est même pire, tu vois. Parce que la Snyder Cut, à la limite, c'est un projet. Enfin, comment dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un film, si tu veux, qui devait se faire, qui s'est pas fait, puis qui a eu du rafistolage, tout ça. Donc, nous, on l'attendait pas, parce que le délire de Snyder et tout ça, on n'en a rien à cirer. Mais après, il y a des gens qui l'attendent. À la limite, je le conçois. Je ne le concevais pas. Si t'as kiffé Man of Steel plus BVS et tout, puis que tu t'étais, disons, fan de Snyder, machin et tout, t'attends la Snyder Cut, bon, à la limite, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, on pouvait trouver qu'ils en faisaient beaucoup et tout, mais non, bon. Non, parce que c'est pour ça quand tu dis c'est pire. Je pense quand même à tous les mecs qui ont forcé de différentes façons. Non, oui, il y a eu du forcing. Non, mais je suis d'accord. Je dis rien par rapport à ceux qui ont attendu normalement. Je sais qu'il y a eu du forcing, ça, on est bien d'accord. Mais voilà. Alors que ça, c'est vraiment... Voilà. Que après, oui, sur le... Parce que ça n'a rien à voir avec Spider-Verse, le truc animé, tu vois. Là, on parle d'une vraie idée... Qui part dans un délire multivers, mais c'est un multivers au sein d'un même univers, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Avec plusieurs versions d'un même Peter Parker, machin et tout, on est dans ce délire-là. Alors que là, on part dans un délire, allez, ramenons les acteurs. Bah, multivers avec les anciens Spider-Man, avec les Spider-Man live-action, quoi. Oui, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Bah, c'est non, pas pareil. Non, à partir du moment où tu fais multivers, tu peux partir dans toutes les directions. Tu vois. Mais moi, il n'y a pas une règle précise mais après, pour un multivers. Mais après, en fait. Le délire, c'est que moi, bah, vous me connaissez, étant donné que j'en ai rien à foutre des délires de nostalgie, ou les acteurs, même quand on parle des questions de fancast, j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Tu vois. Donc ça, là... Ouais, bon, bah, okay. En fait, le truc qui me dérange le plus avec le projet... c'est pas le délire de Spider-Verse en vrai, tu vois. Genre, ça aurait pu se faire dans un truc, genre un quatrième film, je sais pas. Moi, ce que j'attendais vraiment de ce Spider-Man 3, c'était un truc plus intimiste, plus centré sur Peter Parker, Spider-Man de Tom Holland, en fait. Parce que, à partir du moment où il est dans le MCU, le mec, il est partout. Il est partout, il est associé à tout le monde. Donc, dans son premier film, directement, on a mis Iron Man. Alors Sony a mis Iron Man, d'ailleurs c'était pas Marvel Studios, hein. C'est quand même Sony qui avait demandé un gros calibre dans le film pour booster le truc. C'était logique aussi. Ouais, mais c'était logique, mais bon, il faut aussi que les gens ils retiennent le fait qu'à la base, le MCU, enfin Kevin Feige et le MCU, ils ont dit ça va être son film, on va apporter quelques trucs, mais ils se sont pas dit on va directement ajouter Iron Man. Genre c'est Sony qui a dit non, il nous faut un gros calibre, comme ça le truc est validé, comme ça les gens ils comprennent que c'est connecté à votre univers. Donc. Oh, mais après, c'était pas une mauvaise idée. Non, c'était pas une mauvaise idée. Moi, j'aime bien le concept, tu vois. Mais tous les gens qui disent le Iron Baby, bah remerciez Sony aussi, tu vois. C'est quand même eux qui l'ont dit. Ouais, et puis, faut pas oublier que les choses ont été amorcées dans Civil War. Mais j'ai pas dit le contraire. Tu vois, mais Iron Man aurait pu ne pas être dans le film. Tout comme, tu vois. Et ensuite, deuxième film, on est là, on nous ramène Mysterio, on nous introduit un peu le concept de multiverse, mais en même temps, il y a le Shield. Enfin,
Le Shield qui est bien impliqué dans le machin, tu vois. Même si le Shield en soi, c'est moins gênant. Non, c'est moins gênant, mais t'as encore, une fois, un délire avec Mysterio qui est connecté à Tony Stark, tu vois. Donc c'est plus... Tu vois, encore une fois, on s'éloigne du fait que c'est pas vraiment Spider-Man et ses propres trucs, en fait. Mais alors là, maintenant, là, tu ramènes tous les autres Spider-Man. À quel moment c'est son film à lui, tu vois. C'est pour ça que j'attendais Rodney à ce truc. Genre, ça va être Spider-Man, son univers à lui, affronter quelqu'un qui va vouloir découvrir qui il est. Après, non, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, démêler le... Je vois ce que tu veux dire. Tu as raison. Résoudre le problème de Cliff. Enfin, résoudre le cliffhanger du dernier film, tu vois. Là, on en a absolument rien à foutre. Après, faut pas... Les autres, ils voleront pas le film, tu vois. Évidemment qu'ils vont faire de lui le Spider-Man central de l'histoire. Évidemment, encore heureux. C'est sa trilogie, là, tu vois. Évidemment, mais... Mais c'est juste qu'il va être un peu éclipsé, tu vois. Ouais, bah parce que oui, on va être distrait, quoi. On va être distrait, il va y avoir les autres. Il va y avoir les autres, et là, tu vas avoir Doctor Strange, tu vas avoir Electro, tu vas avoir... Déjà, il y a Doctor Strange. Tu vas avoir Electro, tu vas avoir Doctor Octopus, ils vont rajouter qui encore. En plus, ça va être 3 Spider-Man contre une clique de méchants, tu vois, ça fait beaucoup. Puis il va falloir trouver... Il va falloir trouver des explications à pourquoi... Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Donc c'est quoi leur mindset actuel? C'est ça. Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Non, mais surtout, c'est pour nous expliquer que Peter et MJ, ça n'a toujours pas été réglé depuis la fin de Spider-Man 3, donc ça va être génial. MJ qui va arriver. Alors oui, je suis toujours... Maintenant, je suis concierge, tu vois. Et puis Toby qui est là. Maintenant, je suis à la rue parce que ça fait 10 ans que j'arrive pas à payer mes impôts et mon loyer. Tu vas avoir le Spidey d'Andrew, je sais pas dans quel état il est. Ils vont pas faire ça aussi. Mais j'en sais rien. Non, mais là, je peux dire qu'ils sont mariés, qu'ils ont un gosse. Je m'en fous, mais je m'en fous de leur situation, en fait. C'est juste que là, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je suis pas à bord sur le projet. Non, pour moi, c'est des trucs, c'est encore une fois, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que je dis que j'en ai rien à foutre de nostalgie. Moi, pour moi, ça appartient au passé. C'est la même chose pour... Et là, je tiens ce discours-là pour ce film-là, mais je tiens exactement le même discours pour le Flash de Ezra Miller, là. Oui. Avec Michael Keaton qui revient. Là, c'est encore un autre problème. Je m'intéresse déjà pas au film, je m'intéresse déjà pas à l'acteur. Là, c'est un choix encore plus what the fuck, parce que tu dis, mais à quel moment tu ramènes le Batman de 89, tu me ramènes les Spider-Man de ces deux dernières décennies. Je me dis, bon, d'accord, c'est plus près, il y a une connexion encore. L'autre Batman de 89 qui a aucun rapport avec le Flash de là, il y a 2 ans, qui a rien fait dans son premier film. Allez, ciao à plus, tu vois. Avec un autre Batman avec qui il a presque aucune relation, vas-y, double zéro. Tu vois. Là, c'est juste que ouais, je me dis, ça va être quoi le film, quoi. Parce que en fait, j'aurais été plus dans le délire de Spider-Verse si ça aurait été un film à part. Genre un film à part, genre Spider-Verse, live action, voilà, on fait ci, voilà, c'est le truc fanservice à ce fuck. Mais là, dans un Spider-Man 3, je sais pas, donne-moi autre chose. Moi, j'attendais autre chose, en fait. C'est juste ça qui fait que je suis pas du tout d'accord avec le truc. Je me dis, Tom Holland, il va être éclipsé dans tout, de toutes parts. Là, t'as Doctor Strange, t'as le multiverse, ils vont rajouter ci, ça, ça, voilà. Ça va être quoi l'histoire, quoi. Ouais, bon, en tout cas, j'en ai rien à cirer. Le film, il sortira quand il sortira. Les trailers arriveront quand ils arriveront. Ils sont déjà en tournage. Hein. Alors, ça veut pas dire. Ça a commencé quelques semaines. Tom Holland, le tournage en lui-même, lui, il a rejoint le début du mois dernier. C'est ça. Le film en lui-même, c'est pas un film que je vais bouder, hein, pour autant. Bah non, ça reste un film Spider-Man, donc Day One. Mais c'est pas un film que j'attends. C'est la première fois depuis longtemps que je suis pas hypé par un film Spider-Man, en fait. Genre, je l'attends pas tant que ça, en vrai, tu vois. Bah parce que là, j'ai tendance à me dire... Comme tu dis, c'est pas une histoire qui va se concentrer vraiment sur le Spider-Man de Tom Holland, vraiment le développer en tant que personnage, développer son univers à lui. Il va falloir ramener les autres. Donc ça va être un blooby-boulga fan service pour ceux qui vont kiffer. Bon, bah, tant mieux pour vous, mais moi j'en ai rien à foutre. Voilà. J'espère juste que ce sera bien et tout. J'espère sortir de la salle en disant bon, c'était sympa. Mais avec m'en fous. Encore une fois, de toujours distinguer le. Est-ce que le projet m'intéresse et au final, est-ce que le film, au final, quand je l'ai vu, est-ce que j'ai apprécié? Il y a des films que j'ai appréciés, mais que le projet de base, j'en avais rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire.
comme le Joker. Voilà, exactement, comme le Joker. Non, mais par exemple. C'est l'exemple qui me revient direct en tête à chaque fois que j'évoque ce genre de truc. Mais voilà. Bon, puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Le projet m'intéressait de ouf, et par contre, le film, je l'ai désolé. Shazam. Thor Ragnarok. Ouais, Shazam et surtout Thor Ragnarok. Ouais, non, mais Shazam, vas-y, ça s'était éclaté. Ouais, Shazam, moi je l'ai toujours dit, je voulais un projet Shazam. Moi je te le disais des trailers, je le sens pas le truc. J'étais chaud pour un projet Shazam. Et quand on m'a dit Shazam projet, j'étais content. Je suis arrivé dans la salle, film, au bout d'un moment, je t'ai dit, mec, vas-y, si tu veux, on se tire. Moi ça me dérange pas. Donc, toujours distinguer les deux. Et puis là, bah, c'est ça, c'est le projet, j'en ai rien à cirer. Donc maintenant, bah, espérons que le film au moins me plaise. Quoi. Puis voilà. Mais, à voir. Donc, donnez vos avis. Allez. Je pense que vous en avez un paquet, là. Voilà. Mais bon, après, je sais très bien qu'il y en a qui vont être contents. Oh, et non, tout. Donc, tant mieux pour vous. En plus, je le vois depuis hier, Internet a explosé. Parce que, bon, rien de plus étonnant, vu que tous les mois, sur ce putain de Twitter, il y a un débat qui est le meilleur Spider-Man. Tous les mois, putain. Évidemment que là, ils allaient exploser, tu vois. Tous les mois, alors que, je sais pas, on parle jamais de quoi que ce soit Spider-Man. Hein. Mais tous les mois, je vois Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield en TT, je me dis pourquoi? Et à chaque fois, je suis assez con pour cliquer et voir la question, c'est qui est le meilleur Spider-Man? Bah, tout ça pour arriver là, bah, alors là, c'est bon, c'est réglé. Tu vois. Là, tout ce qui nous manque maintenant pour bien exploser Internet, c'est un crossover, ma famille d'abord et Malcolm. Tu vois. Pour savoir qui est la meilleure famille. Qui a la meilleure série. Quelle question déjà. Oh, mais quelle question de merde. Malcolm tous les jours, point. Défaite totale, tu vois. Oh, défaite totale de ma famille d'abord, je les aime bien, mais oh, allez, c'est bon, ça va. Oui, ils sont sympas. Mélange pour les torchons et les serviettes. Hein. Ouais, non, mais Malcolm, c'est un autre level. C'est une évidence. Donc bon, voilà. Du coup, voilà, comme a dit Prince, dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis voilà, quoi. Mais, voilà, pour ce qui nous concerne, vous avez compris, quoi. Voilà. Allez, salut. Tchuss.